Moselle, la sécurité routière restera une priorité forte du gouvernement en 2013. L'ensemble des forces de l'ordre poursuivront leur mobilisation sans faillir sur le territoire. En Moselle, pour la sécurité routière, une hausse du nombre de tués reste inexplicable. Malgré la mobilisation des forces de l'ordre et la multiplication des actions de prévention, le bilan reste mitigé. Si le nombre d'accidents a baissé de 37 unités, soit moins 7%, avec un nombre de blessés en diminution de 18%, 117, on déplore 7 tués de plus que l'an passé, avec 60 tués contre 53 en 2011, soit 13% en plus. Ces chiffres témoignent d'une aggravation des accidents, avec plus de décès pour moins d'événements. 13% des tués sont des conducteurs de deux roues motorisées, 17% des tués sont des jeunes entre 18 et 24 ans, et 8% des seniors de plus de 65 ans. En ce qui concerne les causes de ces accidents, l'alcoolémie, doublement des accidents mortels comportementaux de l'alcool, avec 41% des accidents mortels pour 21 en 2011. Le taux d'alcoolémie relevé se situe aux alentours des 1,89 g par litre de sang. Depuis 2008, la part des accidents mortels comportant de l'alcool se situe autour de 25%. Vitesse excessive, refus de priorité, conduite à risque. Pour le préfet de Moselle, Nasser Meda, ça va barder. Oui, c'est inacceptable et c'est pas la faute, c'est pas faute d'avoir fait nombreuses actions de prévention et de contrôle. Je pense qu'on en a jamais autant fait qu'en 2012. Vous verrez les chiffres, ils sont très précis, mais bon, il y a eu trop de morts, 10 morts de plus. Et le paradoxe, c'est qu'il y a eu moins d'accidents, moins de blessés, mais beaucoup plus d'accidents mortels. Donc là, on va, dès ce début d'année, j'ai demandé aux services de police, de gendarmerie, ainsi qu'au CRS de m'organiser toute une série d'opérations de contrôle qu'on va mener à la fin du mois et dans le cours du mois de février. Également des sorties de discothèques. On fera aussi des actions de prévention dans les écoles, au niveau aussi des lieux de travail, puisque là aussi, la fatigue est aussi une des causes des accidents, même si, vous l'avez bien compris, les deux causes principales restent malheureusement le taux d'alcoolémie et la vitesse, et contre lesquelles il faut mener une lutte implacable. Il faut changer les comportements. Il est inadmissible qu'il y ait autant de morts sur les routes du département de la Moselle. Ça sera tolérance zéro. On peut pas se le permettre. Bon, il est vrai que l'année dernière, c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser. L'année précédente, on avait connu une bonne année, mais qui partait sur une base qui est un peu faussée. Mais il n'empêche, on va pas jouer sur les statistiques. Il y a trop de morts sur les routes du département de la Moselle. Beaucoup trop. Et surtout pour des causes d'alcoolémie ou de trop grande vitesse. Donc on va lutter, on va mettre tous les moyens, faire en sorte que les gens se sentent encore plus responsables et comprennent qu'ils ne peuvent pas mettre leur vie et la vie d'autrui en danger. Le bilan des opérations de contrôle et de sensibilisation de 2012. 249 290 contrôles ont été réalisés, 214 680 contrôles d'alcoolémie, dont 4 757 positifs 2,2%, 2710 contrôles de stupéfiants pratiqués pour 1402 positifs, soit 51,7%, et 32 900 contrôles de vitesse hors contrôle automatique. Mais 2012 a été aussi un renforcement des actions de sensibilisation et de prévention. 16 participations aux journées de défense citoyenne destinées aux jeunes de 17 ans, soit 1600 personnes, des chèques taxi, des partenariats avec des collectivités et les discothèques. Pierre-Yves Couillot, procureur de la République du TGI de Metz, nous parle de la partie répression. Nous avons des réponses extrêmement chaînées aujourd'hui entre les enquêtes de police et la réponse judiciaire. Alors, le taux de classement sans suite est voisin de zéro dans ce domaine. Nous avons une politique extrêmement efficace en matière de lutte contre l'alcoolémie au volant, de lutte contre la conduite sous stupéfiants. Et je peux vous dire qu'elle ne faiblira pas. Alors c'est plus des jeunes, c'est plus des personnes d'un certain âge qui sont délinquants de la route, c'est monsieur tout le monde ? Alors j'aurais tendance à dire que c'est monsieur tout le monde. S'il y a bien une infraction que tout le monde commet, c'est la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Donc attendez-vous à retrouver beaucoup de gendarmes et de policiers sur les routes de Moselle avant la fin du mois.